Bonjour chers amis de Avia TV, bienvenue à bord du Cessna 210 Fox Romeo Echo Delta Oscar. Nous allons faire un petit vol aujourd'hui, un petit vol de 30 minutes de temps de vol, donc il faut compter 45 minutes environ, entre Ancro-Thierry et Jessical. Voilà. Il y aura 144 kilomètres à parcourir. La météo est assez bonne, il y a un petit vent mais c'est pas du tout gênant. Je vais essayer, si la tablette veut bien fonctionner, de vous montrer le vol que nous allons faire ce soir. Allez, c'est parti. Voilà, un peu de zigzag et vous remarquerez qu'on va survoler de la montagne un peu. Ça va mettre un peu de piment dans cette sortie chypriote. Allez, hop. Et on va la survoler d'autant plus rapidement puisque c'est dans la première partie du vol que nous allons survoler la montagne. Allez, on fait la checklist. Je regarde juste si c'est la bonne fréquence, 120-40 et 120-40, c'est bon. Allez, c'est parti, checklist. Documents, avions et pilotes sont à bord, vérifiés à jour. Devis de masse et centrage, c'est effectué. Visite prévol extérieur, c'est effectué. La barre de tractage n'a pas été utilisée. Siège ceinture, c'est réglé. Petit clic. Voilà. Les portes sont fermées et verrouillées. L'avionique master est bien sûr off. Les interrupteurs du pilote automatique sont sur off. Tous les feux sont sur off. Le levier de train d'atterrissage est sur down. Les volets de capot sont ouverts. On tourne la page. On enlève les sécurités. C'est fait. Contact magnéto off. Contact batterie on. Beacon on. Voyant le klaxon du train. C'est bon, ça marche. Pompe auxiliaire sur on. Sa pression de se faire. Pompe auxiliaire sur off. Manette légèrement augmentée. Champ d'hélice dégagé. Personne devant. Et on démarre. Laissez un petit peu chauffer le moteur. L'alternateur est sur on, l'avionique master sur on, la radio c'est bien réglé, l'altitude est calibrée, l'altitude s'est relevée parce qu'il n'y en a pas, donc j'ai regardé la météo. Transpondeur, on reste sur le stand-by, feu de nav on, le chrono est lancé. Phare de roulage on, transpondeur on ne touche pas, messageur radio, ok. Bonsoir messieurs de Wiki. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Problème de fibre, c'est réglé, Xavier? Non, ils reviennent normalement samedi, et samedi, bah, je saurai si je peux l'avoir ou pas. D'accord. Donc, je suis un petit peu stressé. Mais ça va bien se passer, je veux ça. Bah, j'espère.
On a le choix entre la piste 10 ou 28. On va prendre la 28 puisque j'ai noté un vin 298 à Dinan. Pour les temps car, on a un vin 298 à Dinan. C'est bon pour vous aussi? Ouais, moi j'ai que 5 nœuds, donc tu peux... je peux décoller la même piste que vous, c'est bon. Ok, reçu, donc ce sera piste 28 pour moi. Reçu. Voilà, donc on va faire la danse. Tout est bon, on peut y aller. Je vous souhaite un vol agréable. Qu'on est ici déjà, je ne me trompe pas de nom. Acrotiri, information de Fox Romeo Codelta Oscar, bonjour à tous. C'est un Cessna 210 au parking principal. On va rouler pour le point d'attente de la piste 28 pour un départ VFR à destination de Jessica, le plan de vol est déposé et aucune information n'est relevée. Allez, on y va. Tout est bien réglé. On a la VF à la parc. La piste est par là, donc je tourne à droite. Acrotiri Info du Fox Mike Oscar Baxira, bonjour, donc Bonanza. Pour un vol VFR avec un vol à destination de Jessip Calais, on va rouler pour le point d'attente de la 28 en suivant Delta Oscar. C'est reçu. La s'il faut monter davantage, on le fera. Le temps de vol du préconisé à gauche pour le point d'attente. Ça va être comme d'habitude quasiment. D'accord, c'est un peu. Tango Inga, Kilo Kilo Inga.
j'ai retrouvé ma radio. Je suis actuellement en l'air pour la piste main gauche, piste 28. C'est aussi pour Oscar. Je suis au point d'être interrompu et je fais la checklist. Frein de parc serré, porte et fenêtre fermée et verrouillée, soulevant moteur dans le VR, c'est bon. Le mélange est plein riche, l'hélice plein petit pas, on monte le moteur à 1700 tours minute. C'est bon. On fait laisser à droite. C'est bon. Laisser à gauche. C'est bon aussi. Et là, il y a le travers de la tempête. Bien sûr. De les phares de roulage sont sur off, les phares de terrissage on, la porte auxiliaire on. Porte fenêtre fermée, verrouillée, ceinture attachée, commande de vol libre et dans le bon sens. Magnéto, c'est sur boost. Batterie, c'est sur on. Alternateur on à charge, vérifié, c'est bon. Instrument moteur vérifié dans le vert. L'hélice plein petit pas. La mixture plein riche. 10 degrés de volée. Les vols du capot sont bien ouverts. Les phares de décollage sont bien sûr on. L'autonomie est vérifiée. Il y en a largement assez. Allez, on y va. C'est bon. Oscar, on est au point d'attente de la piste 28, on s'aligne en décolle. Voilà, on va s'aligner gentiment. 28. On tournera à gauche pour aller au-dessus de ces reliefs là, qu'on voit en face. À droite, je veux dire, pour qu'on aille au-dessus de ces reliefs. C'est parti, plein gaz. Le panneau est actif. Les paramètres sont dans le vert. Je poursuis le décollage. Aucune alarme. C'est parfait. On monte jusqu'à 62. Et c'est la rotation. Assez haut, on fait un moins de bruit pour eux.
se passe bien. Les paramètres sont dans le vert. On monte doucement vers 3500 pieds. Alors notre plan de vol va nous faire passer sur la gauche un petit peu ici, là. Voilà. Je pense qu'on devrait passer dans ce secteur-là. On va voir s'il y a une vallée. Le track du plan de vol. On a 2500 pieds, on peut plus bien monter. Il y a une tentation qui est de toute la présence de cette personne.
Pas, mais
Ouais, très bien. On n'a qu'à appeler à la verticale. Si on appelle à la verticale de Lima Kilo, on est à 23 nautiques. Gauche et en contact l'approche pour Pedro Oscar.
Proche à la piste, on va tourner à gauche et on sera dans l'axe piste. C'est ce qu'on appelle
étape de base et puis après la finale. Rapide de pas mentir.
complet sur la piste 27. Alors, deuxième croix de volée. Et c'est plein de petits pas. Attends. On va essayer de voir. Ouais, je suis à 91 nœuds. Sur la ligne haute tension là, ça c'est pas du tout intelligent d'avoir mis cette ligne là. Super, la ligne haute tension juste avant la piste. Là, les papilles sont tout blancs, ça veut dire que je suis beaucoup trop haut. Donc j'ai mis deux rouges et deux blancs. Ça a été parfait, donc je m'en. On s'est posé en douceur. Ensuite. C'est bon. Bon. Tu dégages à gauche ? À droite. Ensuite, à droite.
piste volontairement, puisqu'il n'y a pas de taxiway, pour libérer. Il y a une courte finale. C'est un sud. La piste est dégagée pour maintenant. Alors, volée, rentrée. Volée capot ouvert, c'est bon. Les strobes sont sur off. Ah bon. Ah, off, voilà. C'est bon. Les phares d'atterrissage sont sur off. La pompe est sur off. Et les phares de taxi sont sur on. Dans ce cas, on rejoint les amis sur le parking. On fait attention, on lève la gouverne. Pour éviter les projections de cailloux dessus. Aucun projectile que l'hélice pourrait soulever du sol. Là, il y a les percutés, les endommagés. Ce sont des dommages. Alors, frein de parc serré, phare de roulage off, transpondeur stand-by, on n'y a pas touché, l'heure d'arrivée 50 minutes, voilà, c'est l'OEA, 0,50. Sur off, d'abord je dis au revoir. Dans ce cas, on est au parc, on quitte la fréquence et on revient vers vous. Tout de suite. Oui, bien reçu. Allez, cluster donc. Okay. Off, feu de main off. Alternateur off, pick-up off. Régime moteur 8 minutes. Sur le pouvoir, contact batterie off, magnéto sur off, on remet les sécurités.
Et voilà. Voilà, chers amis, c'est la fin de l'étape numéro 3 à Chypre. J'espère que vous aurez apprécié le vol comme nous on l'a pu l'apprécier. C'est vrai, je reconnais, il se passe pas grand-chose d'intéressant, mais bon, les sensations du pilotage sont là, c'est l'essentiel pour mes amis, mes camarades et moi-même. Donc, voilà, on n'est pas là pour être des vrais pilotes, des professionnels, on est là pour prendre du plaisir à voler en groupe, entre amis, entre passionnés, et croyez-moi, on y arrive très très bien. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des autres. Bye bye, à bientôt pour l'étape 4. Bye bye.